7h16 sur France Inter. L'invité de la matinale est Valérie Andanson, la porte-parole de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Bonjour madame. Bonjour France Inter, bonjour à tous. Merci, on va revenir avec vous sur une histoire ancienne mais qui prend tout son sens cette semaine puisque vous faites partie de ceux que l'on a appelés les enfants de la Creuse, ces enfants qui ont subi une migration forcée dans les années 60 jusqu'en 1981 de l'île de la Réunion vers les départements de la métropole. La Creuse sera bien sûr le département qui en accueillera le plus, d'où les enfants de la Creuse. Cette semaine, Anne David fait partie des premières à avoir bénéficié du dispositif Barrette qui finance le voyage à la Réunion. Anne David fait partie comme vous, Valérie Andanson, de ces déracinés. Le fait que ce dispositif soit enfin mis en place, c'est une bonne chose pour vous? Écoutez, moi j'ai été exilée dans la Creuse à l'âge de 3 ans et il est vrai qu'Anne David, c'est la deuxième à profiter de ce dispositif. Et oui, il est très très important pour nous de pouvoir retrouver nos racines au bout de plusieurs années d'exil forcé dans des départements, non seulement la Creuse, mais dans exactement plus de 60 départements métropolitains. Oui, parce que vous êtes nombreux, hein, plus de 2000. Et le dispositif Barrette ne propose pas qu'une bourse pour le voyage. Le dispositif Barrette propose... Donc, Erika Barrette, cette année, a fait 3 propositions. Donc, les billets d'avion, ce qui est vraiment très important pour nous. La cellule psychologique, il est vrai qu'il y a beaucoup trop de traumatismes encore présents chez nous actuellement. Et également la cellule juridique, qui sera pilotée par M. Soukramanien, qui est à La Réunion, et qui va permettre d'avoir une liste des victimes. Oui, parce que pour certains d'entre vous, enfin, cette liste, elle n'est pas définitive. Effectivement, on a 2000 personnes, 2150 personnes recensées, mais elle n'est pas définitive. 2150 victimes ont été recensées. C'est un chiffre qui est exact, mais qui peut évoluer. Donc, non, elle n'est pas définitive. Et c'est vrai que les experts de la Commission nationale ainsi que M. Soukramanien vont travailler sur ce dispositif-là pour mettre cette liste en place, une liste qui sera vraiment très importante pour nous. Vous avez le sentiment que les choses avancent? Nous avons tous le sentiment que les choses avancent difficilement, mais elles avancent. C'est vrai que le combat continue et bon, nous allons continuer dans ce sens-là parce que bon, ce n'est pas terminé encore. D'une façon plus personnelle, Valérie Andanson, et vous l'avez un petit peu esquissé tout à l'heure, comment vous avez découvert votre histoire? J'ai découvert mon histoire à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire que moi je suis arrivée en métropole à l'âge de 3 ans avec toute ma fratrie. Nous avons tous été séparés, arrivés à Guéret. Et bon, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil maltraitée pendant 4 ans. Et par la suite, j'ai été adoptée à l'âge de 7 ans par une famille aimante. Mais j'ai vécu dans le mensonge. C'est-à-dire que pendant des années, mes parents, ma famille m'ont menti. Bon, j'avais des questions sur ma couleur de peau, sur tout un tas de petits détails qui faisaient que je me disais « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et c'est à l'âge de 16 ans que j'ai appris, en fin de compte, que j'avais été adoptée. Et ça a été pour moi un tsunami. À tel point que vous aviez aussi des frères et sœurs qui étaient dans le même cas que vous? Nous étions 6 en tout. On se croisait dans Guéret pendant des années sans savoir qu'on était frères et sœurs. Et malheureusement, j'ai un frère par la suite qui a mis fin à ses jours à l'âge de 32 ans. Et j'ai aujourd'hui une grande sœur qui va régulièrement en hôpital psychiatrique. Comme quoi le traumatisme est très présent. Et d'où l'importance d'une aide psychologique qui est inclue dans le dispositif Barrette. L'aide psychologique est très 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 importante parce que je peux vous assurer que ma première compatriote qui est retournée à La Réunion là, en début d'année aurait eu besoin de cette aide psychologique. Maintenant, bon, elle s'est mise en place. Et systématiquement, quand on va arriver à La Réunion, nous aurons ce soutien-là. Oui, parce que pour certains, ce sera une première. Vous, ça n'est pas le cas, vous êtes retourné à La Réunion, mais pour certains, ce sera une première. Et ça, ça sera un choc aussi. Voilà, tout à fait. Comme Anne David, là, qui est arrivée là, le 10 de ce mois-ci, c'était la première fois. Elle a été exilée à l'âge de 18 mois dans l'Isère. Et elle a aujourd'hui 49 ans. Vous vous rendez compte, pendant autant d'années? Ouais, et le dispositif, bah, j'imagine en même temps, enfin c'est difficile à imaginer justement. Mais outre Valérie Andanson, outre le dispositif Barrette, que réclamez-vous aujourd'hui à l'État? Écoutez, nous ce qu'on souhaite, c'est que notre histoire rentre dans les manuels scolaires parce que c'est une passion de l'histoire française.
C'est la République française, c'est une affaire d'État, donc il faut que notre histoire soit étudiée. Nous allons également demander réparation financière, nous y travaillons. Nous souhaiterions que notre histoire soit reconnue crime contre l'enfance, parce que c'est un crime contre l'humanité. C'est quand même toute une population qui a été exilée, surtout nous étions des enfants, quoi. De quel droit peut-on décider du bonheur, du bonheur ou du malheur des enfants? On n'a pas le droit. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que nous souhaiterions que notre histoire soit reconnue crime contre l'enfance. Et vous parlez d'indemnisation. Philippe Vital, qui préside la commission, disait en janvier, ce n'est pas en donnant 10 000 euros à chacun qu'ils iront mieux. Vous comprenez ça aussi? Tout à fait. Vous savez, c'est vrai que ce que l'on a vécu, tous nos parcours, qu'ils soient difficiles ou pas, on ne peut pas mettre une valeur sur ce que l'on a vécu, c'est impossible. Mais bon, on va quand même travailler sur cette réparation financière. Valérie Andanson, vous avez obtenu les garanties d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, qu'elle poursuivrait le travail de la commission Vital chargée de ce dossier et mise en place sous François Hollande? Oui, nous avons reçu un courrier de Mme Girardin qui nous soutient. Donc, oui, vous savez qu'actuellement, il y a un groupe de suivi qui a été mis en place par le ministère de l'Outre-mer. Oui, vous avez été auditionné d'ailleurs en janvier, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et je fais partie de ce groupe de suivi. Donc, ce groupe de suivi est composé donc de 6 ex-mineurs. Et donc, nous allons travailler sur toutes les attentes des victimes, quoi. Merci beaucoup Valérie Andanson, porte-parole de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer, d'avoir été en ligne avec nous et d'avoir apporté votre témoignage sur cette terrible histoire. Merci beaucoup Valérie Andanson. Je vous remercie beaucoup, à vous aussi. Merci beaucoup.